On est samedi, le 7 octobre. Bon vlogtobe à ceux qui vloguent. Moi, je vlog pas au mois d'octobre, je vais vloguer le Vlogmas en place. Il est 10h, c'est samedi, j'ai froid. Puis c'est ça. J'ai pas filmé mercredi, je m'en excuse sincèrement. En fait, j'avais commencé, pour être bien franche avec vous autres, j'avais commencé, mais ma journée se commençait quand même bien avec Marie-Flore, tout le kit, mais j'avais un rendez-vous à la SAC et ça ne s'est pas bien passé, mais vraiment pas, et ça devait pas se passer comme ça, fait que c'est ça. Pour ceux et celles qui se posent la question pourquoi je vais à la SAC, c'est que j'ai mon permis temporaire. Mais pour avoir ton examen de route avec quelqu'un de la SAC, il faut que tu passes 60 quelques questions. Tant aussi longtemps que tu ne l'as pas, ben tu peux pas faire l'autre étape. Alors voilà. Et je suis pas allée dans mon coin non plus, tu sais, c'était quand même 45 minutes à 1 heure de route de où ce que j'habite. Parce qu'ils offraient des services pour des personnes qui sont dyslexiques, qui ont de la difficulté, qui ont beaucoup de misère à le passer, tout le kit. Fait que, ouais. Fait que là, je vais être obligée de rappeler cette semaine à la SAC et demander un autre test. Mais cette fois-ci, écrit et avec de l'aide, vraiment, là, pas juste une paire d'écouteurs, parce que si ça avait été ça, j'aurais été tout simplement à Saint-Jérôme. Fait que, ouais, j'étais vraiment déçue, ça s'est vraiment mal passé, mais c'est pas grave, que voulez-vous, c'est la vie. Mais, j'ai quand même eu quand même j'étais triste, mais j'ai quand même eu du plaisir pareil où j'étais parce que j'ai acheté des jouets à Marie-Flore. Puis j'ai trouvé une belle, 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 belle boutique de jouets. Mais pas juste une boutique de jouets de dire, ben, tu sais, c'est juste des bébelles inutiles. Mais il y a des bébelles tellement le fun pour le développement, pour. Moi, j'adore les jouets en bois, là, pour rien vous cacher. Ma fleur n'avait pas parce que j'en trouvais comme pas tant. Puis c'était difficile à trouver, honnêtement, des jouets en bois. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. J'ai trouvé, je vais vous les montrer d'ailleurs. Et là, désolée, là, je suis en pyjama. J'ai une jaquette et un haut de pyjama parce qu'il fait froid. Ça a l'air bizarre. Fait que je vais y trouver. Je vais m'asseoir. Et non, ma fleur est pas là. Elle revient cet après-midi, en fait. Ma mère gardait chez elle. Fait que c'est ça, ma fleur revient juste cet après-midi. Fait que j'y ai trouvé. Un cassette comme ça. Oups, désolé, vous voyez la petite corde. Un petit cassette comme ça en bois. Parce que Marie-Flore, quand elle a passé son examen à l'hôpital, ces choses-là, elle avait beaucoup de misère à prendre la forme et la mettre dedans. C'était pas assez petit ou je sais pas trop comment ils m'ont expliqué ça. Quand c'est un peu plus moins minutieux, ben elle a de la difficulté. J'ai trouvé celui-là, je le trouvais vraiment beau. Il y en avait tout plein, là. J'ai pris lui et lui ici. Que lui, il est. Je vais essayer de l'ouvrir, là. Qui est comme plus petit. Lui, c'est pour 12 mois. Fait que c'est vraiment des beaux des beaux jouets, moi, je trouve. Là, je vais essayer de vous déposer de chaleur. Parce que hier, je l'ai fermé.
Et voilà. Bien, excusez-moi. Parce que j'ai de la misère à ouvrir ça, les boîtes de même. Et ça ressemble à ça. Fait que c'est plus petit. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. C'est vraiment plus petit. Fait que c'est plus délicat. Fait que ma fleur, faut qu'elle travaille un petit peu plus. Puis ils sont vraiment jolis. J'en avais acheté trois. Différents. Un autre différent modèle. Mais je pense que je ne m'en ferai pas dire. J'en avais acheté trois. Mais il y en a un que j'ai gardé pour Noël. Parce que j'essaie de commencer mes cadeaux de Noël. Puis quand je suis arrivée, je lui ai montré. Je vais vous allumer la lumière. Désolée, hein, c'est l'éclairage, c'est pas fou. Puis je lui avais montré, mais ça l'a attiré deux minutes. Puis après ça, elle a vu les autres. Puis c'était comme moins intéressant. T'sais. Fait que c'est celui-ci. Puis, lui, c'est un petit peu plus difficile. Là. Fait que c'est des petits carrés. Comme ça. Des blancs et des... comme ça. Puis, on doit coller des petits collants dessus. Je vais vous montrer le dessus, en fait. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on colle les petits collants pour qu'elle ait des animaux et tout le kit. Fait que lui, ça ressemble à ça, cette marque-là. Il coûtait à peu près 25$, ouais. Fait que c'est ça. Il y en avait d'autres modèles. Allô. Fait qu'il y avait d'autres modèles. Fait que lui, je l'ai gardé pour Noël. Fait que je l'ai caché dans mon garde-robe. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Fait que j'ai un de ces cadeaux déjà de fait. Il va m'en rester d'autres à trouver. Je sais juste pas quoi. Que là, aujourd'hui, je veux, parce que là, il est 10h24 du matin, puis je veux passer la balayeuse, laver mes planchers avant que Marie-Fleur elle arrive. Je veux, j'ai des choses à faire aussi pour Alcoolique Anonyme, parce que... Pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, on refait notre éthique. Notre éthique de groupe. Fait que j'ai des choses à télécharger dans mon ordinateur. J'avais commencé, mais j'ai pas fini. Et l'autre semaine, le lundi, le 16, je me présente. Il y a des élections au district, ici, dans la région. Et j'aimerais me présenter pour un poste. Fait que j'ai une présentation à créer. Fait que je vais faire ça pendant que mes planchers vont sécher. Aujourd'hui, ben, tu sais, c'est quand même un congé de 4 jours. Parce que lundi, je travaille pas. Fait que j'ai décidé que je faisais juste ça aujourd'hui. Et filmer des vidéos. Parce que j'aimerais filmer 2 vidéos aujourd'hui. Dont mes coffrets préférés de télé. Mes films préférés, en fait. Et j'aimerais filmer mes favoris des derniers temps. Ouais. Vraiment mes favoris. Puis, c'est ça. À votre santé. Fait que c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Puis, je sais pas à quelle heure Marie-Fleur revient, en fait. Mes parents vont venir me la reconduire parce que d'habitude, elle reste comme jusqu'à le dimanche, mais... jusqu'à samedi soir, mais malheureusement, ben pas malheureusement, là, je suis contente de la revoir, là. J'ai hâte de la voir, là, c'est pas ça, mais malheureusement, mes parents étaient tristes de comment je dirais ça, ils étaient tristes de pas la garder avec eux parce qu'ils adorent Marie-Fleur puis ils la garderaient comme tout le temps, là, tu sais.
C'est ça, fait qu'il était triste, mais en même temps, ben, regarde, écoutez, c'est. Moi, j'ai hâte de l'avoir, là. Fait que c'est ça, fait qu'avant qu'il revienne, je vais faire ça. Puis, aussi, j'aime aller enfin le cadeau à Stéphanie. Puis, j'ai série parce que, tu sais, c'est quand tu m'as. Ben, je sais pas si vous avez déjà mal ça, un colis, là, quelque chose. Quand tu m'as un colis, évidemment, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu aimerais? T'aimerais-tu ça que la personne signe? Nanana, puis blablabla. Fait que là, je dis non. Parce que je dis, ben là, regarde, écoute, là, je pense que si. Je pense que quand elle va le recevoir, elle va me le dire, je pense. Elle va sûrement parler à quelque part, là, tu sais. Parce qu'elle a une chaîne, Stéphanie, elle a une chaîne. Fait que, tu sais, je me dis à quelque part, elle va sûrement me dire qu'elle l'a reçue, quelque chose. Elle va sûrement dire qu'elle est contente ou elle est pas contente pantoute. Mais que la madame me fait rire parce qu'elle dit, c'est quoi ça, une chaîne de choses, là? C'était juste drôle de. Il y a une madame, elle dit, ah oui, je suis une madame sur là-dessus. Fait que, tu sais, c'était comme. Ben, ben drôle, là. Fait que c'est ça, j'ai mané enfin ça. Et j'ai presque terminé mon swap. Il me reste juste à acheter une boîte pour la personne. Et je pense qu'elle va être contente. En fait, pour ceux et celles qui se posent la question, c'est quoi un swap? Ben, en fait, c'est simple, c'est que tu te donnes un budget et tu achètes des produits. Moi, la seule demande que j'ai demandé, c'est des choses qu'on aime vraiment. Qu'on veut faire connaître à l'autre. Puis c'est ça. Il y a des produits. Je pense pas, je crois que dans toute la. Dans tous les morceaux de ce swap-là, je pense que je suis toute contente et je les ai toutes déjà testées. Fait que là, il me reste juste à finir. Il me reste, je pense, deux, trois affaires que j'aimerais trouver. Et je suis enfin contente. Je me suis acheté mon agenda. Mais ça, je vais vous en parler plus tard. Parce que ça fait quand même 12 minutes 48 que je vous parle. Ben oui. Vous voyez là, mais il me semble qu'il y a des coups de patte. Fait que je m'active, je enlève le matelas complet, je fais mon lit et je m'active. Alors, on se met de la musique et on commence le ménage. Hello, hello. Alors, j'ai rendu midi, il dit ça. Et j'ai presque fini tous mes planchers. J'ai fait la chambre, le passage, le salon, bref, la salle de bain et la cuisine. Ouais, j'ai appelé ma maman aussi pour savoir comment allait Marie-Flore. Elle va quand même bien. Elle a été tendante un petit peu cette nuit. Et j'ai même tiré l'œil des vents et tout, tout, tout. Donc là, j'ai ouvert un peu les fenêtres pour que ça sèche plus rapidement. Ça a fait du bien. Fait que là, je m'apprête à faire celui du petit bout de passage qui me reste et la salle de bain et la cuisine. Et après, je vais dîner. Je sais pas ce que je vais dîner. Je pense que je vais me faire un riz aux légumes. Il me reste du brocoli, il me reste une coupe de patates. On va voir ça ensemble. Fait que je m'en vais faire mes planchers et désolé pour mes cheveux parce qu'il faudrait que je les lave aussi. Me faire ça après. Puis, devinez quoi? Il pleut! Wouhou! C'est génial! Je sais pas pour vous autres, là, mais la température au Québec, c'est bizarre. Soit qu'il pleut, soit qu'il fait super chaud, écœurant, soit qu'on drop, il fait froid. Bon début d'automne. On se dit à tantôt! Hello, hello! Alors, il est rendu 1 h et j'ai tout fini, mes planchers! Ouais! Et je me suis habillée et je vais vous montrer mon outfit. Oui,
Mais c'est rare que ça m'arrive, honnêtement, pour ben, ben, ben franche, là. Je suis toujours habillée, habillée, habillée. Normalement, là, je pense. Mais là, aujourd'hui, c'est la fin de semaine. Et je vous dirais que c'est la première fois que je mets ce chandail-là avec. Je suis en pyjama. Wow, c'est chic. C'est fou, là, parce que j'ai perdu du poids. Moi, je le remarque dans mes vêtements. Puis vraiment là, puis oui, j'ai mis une bralette et étonnamment elle fit avec les culottes, mais bon. J'ai mis mon pyjama et c'est vraiment lousse là. Je sais pas si vous pouvez voir là. Mais j'avais le goût d'être confortable et des petits bas. Fait que c'est vraiment rare que je sois en pyjama. Pour vrai là, je pense que, à part que quand j'ai froid là, je mets un gros gros pyjama là, le haut que j'avais. Mais sinon, avec moi, je suis toujours habillée. Fait que là, aujourd'hui, spécial pyjama. Ouais, je pense que je vais l'appeler de même en plus. Fait que je l'ai assis, ce pyjama-là. Je me rappelle même pas où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté au Walmart. Puis je regarde parce que. Ouais, je l'ai acheté, je pense, au Walmart. Puis là, désolé si c'est sombre, il pleut à l'extérieur. Puis je vais vous montrer, là, c'est tellement beau. Regardez. Il commence à avoir des feuilles rouges. Et là, oui, il faut que je lave mes fenêtres là, avant l'hiver. C'est fou. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Fait que, ouais. Puis, sur notre terrasse. Désolée, la bébé du chat. Sur notre terrasse, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ça a l'air de ça. Fait qu'on a tassé les bacs, là. Il me reste les feuilles à ramasser, les petites chaises, tout le kit, là. Puis cet hiver, j'enlève tout. Je vais mettre comme ça. Tous les treillis. Parce qu'il y avait tellement de neige l'année passée que je vais les enlever cette année. Regarde les lumières. Fait que là, je m'en vais me faire à dîner. Puis je vais vous montrer ce que je vais faire. Puis, je vais sûrement me faire un bon riz aux légumes. Je pense qu'il me reste du brocoli. Là, je vais juste regarder si mon plancher sèche. Parce que je suis en bas quand même. Oh, désolée si c'est d'une drôle de couleur. Ah, oh, mais une petite place qui est pas sec. Fait que je vais me faire un riz aux légumes. Et, je sais pas ce qu'il me reste comme légumes. Faudrait aussi, je vais vous le montrer là. Faudrait que je fasse le ménage là-dedans. Parce que, ouais, c'est le bordel. J'ai deux poivrons. Je pense que je vais me prendre des légumes surgelés. J'aimerais ça aussi. Je vais vous montrer ça aussi. Faire le ménage de la dépense. Parce que c'est le bordel. Ouais. Fait que, faut que je fasse ça aussi. Fait que, je regarde ce que je vais dîner. Puis, je vous montre la recette que je vais avoir inventée sûrement après. Bon, ben, je suis en train de me faire à dîner. J'avais dit que je vous montre que ça sent super bon. C'est une recette que je n'ai pas tentée. En fait, au début, je voulais manger du riz et là, j'ai changé d'idée. Alors, je vous montre ça. Alors, dans la poêle, il y a plein, plein de légumes, de toutes sortes. Il y a du jambon. Il y a aussi des petites tomates qu'on prépare. Et je vais mettre, dans ça, il y a des pâtes. Fait qu'on va se faire une petite pâte aux légumes. Fait que vraiment, ça sent super bon. Fait que là-dedans, il y a des oignons, il y a de l'ail, du brocoli, du maïs, des carottes, des petites fèves. Vraiment un mélange de légumes que j'avais. Là, j'ai pris un mélange surgelé. Fait que là, je vais laisser cuire ça. Et comme sauce, parce que ça me prend une petite sauce quand même, j'ai pris une canne comme ça de champignons, de céleri ou peu importe.
ça, je vais laisser cuire ça un petit peu. Mes pâtes sont en train de cuire. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Et je vais mettre un petit peu de fromage à l'intérieur. Je ne sais pas entre celui-là ou celui-là, mais un des deux. Peut-être un mélange de petits fromages coupés à l'intérieur. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça sent vraiment bon, là. C'est vraiment bon. Fait qu'il y a tous les légumes. J'ai mis mon fromage qui est en train de fondre. Mes légumes sont là. Les tomates qui ont rendu de jus. Les brocolis ont fait comme sont défaits. Ça sent trop bon. Et pour ceux qui se posent la question, pour cette recette-là, en fait, qui me donne à peu près un bol comme ça, hein? Plein, évidemment, ça m'a coûté exactement sur 30 points, 15 points pour tous les légumes, les pâtes, le fromage, le jambon, vraiment. Fait que, voilà, je vais manger ça en regardant la télé. Fait que, on se reparle plus tard. Hello, hello! Alors, il est rendu 3h15. Oui, l'éclairage est bizarre. C'est pas. C'est bizarre. Et je viens de filmer un premier vidéo. C'est-à-dire, je vais vous donner un scoop. Mes séries préférées, documentaires et tout le kit. Voilà. Fait que c'est ce que j'ai filmé. Oui, j'ai un rouge à lèvres bizarre aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie. Je vais aller le retirer d'ailleurs. Fait que c'est ça. Il est rendu 3h15. Je viens de filmer ça. J'ai mangé mon macaroni, comme vous avez vu, mon spaghetti en fait. C'était très bon. C'était très bon et c'était très goûteux quand même. Même s'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de légumes. Fait que c'est ça. Là, je sais pas à quelle heure ma fille va arriver. J'en ai aucune idée. Fait que je vais aller faire un petit dodo, je pense. Parce que je suis un petit peu étourdie, je vous avouerai. Je vais aller resserrer mes DVD. Fait que je vais aller serrer ça aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai un peu froid, honnêtement. Il fait vraiment pas chaud. Je vais peut-être aller me prendre un café aussi. Je sais pas. Puis je me suis maquillée un peu. Hein, dans les tons de noir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un genre de look de même, là, mais c'est un look très rapide parce que j'avais pas le goût de me maquiller honnêtement. Puis j'ai mélangé deux rouges à lèvres. D'ailleurs, je vous l'ai montré parce que je sais que là ça a l'air vraiment bizarre, mais je les aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres là. J'en ai porté un toute la semaine. Alors, c'est ceux-là, les NYX Suède. Et puis là, j'en ai mélangé deux, fait que ça a l'air bizarre, là, mais bon. J'ai mélangé lui ici. Le genre de gris mauve qui s'appelle... Je sais pas comment dire ça, alors je vais vous le montrer. Lui. Et j'ai mélangé... Lui et... Je ne sais pas lequel je vais manger, il me semble que c'est un mauve. C'est lui? Je sais pas, je pense que c'est lui. C'est un genre de mauve là. Alors ça s'appelle comme ça. Je sais pas si je vais vouloir focuser là. C'est un genre de mauve assez foncé, mais je les aime beaucoup. Je les avais achetés en coffret à Noël. Je les aime beaucoup. Et j'adore mes nouveaux pinceaux là. Je vais m'en trouver d'autres. Je les aime beaucoup. Voilà. Fait que je m'en vais serrer ça. Fait que je suis encore en pyjama. J'ai tourné ça, je suis vraiment contente. Et ça a été tellement dur de choisir là. Oh mon Dieu Seigneur. J'en avais tellement que je voulais vous parler là. Il va durer longtemps, cette vidéo-là. Mais bon, qu'est-ce que c'est ça.
Je pouvais pas me restreindre à 3-4, là. J'étais impossible, impossible. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais serrer ça. Je m'en vais enlever ça, comme rouge à lèvres. Je vais peut-être en mettre un autre, par exemple. Je voulais tourner une autre vidéo. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais il fait vraiment pas beau. Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais, j'en ai un en backup que j'aimerais vous mettre. C'est une vidéo sur mieux me connaître. Mais il manque une photo qu'il faudrait que je trouve. Fait que je vais peut-être trouver ça pour vous mettre ça aussi en ligne cette semaine. Cette semaine, ben, comme je dis, je travaille pas lundi. Fait que je vais vlogger aujourd'hui, dimanche, lundi. Mercredi, mardi, je retourne travailler. Mercredi, je suis en congé. Alors, je vais vlogger. Fait que vous allez avoir quand même pas mal de vlogs cette semaine. Fait que nous, on se redit à tantôt. Tantôt. Bonsoir! Il est rendu 5h29 et je viens de me faire réveiller par Marie-Flore! Allô? Ah oui. Tu fais quoi avec mes sandales? T'as sûr pas de faire mal, là? Allô? Maman? Ouais? Tu montes-tu ta nouvelle chaîne? Montre-moi ta nouvelle. Allô? Oh! Signou! Fait que Marie-Flore vient d'arriver. Mes parents viennent de venir la reconduire. Donc, je faisais une petite sieste parce que j'avais un petit peu mal à la tête. Puis. Marie-Flore a eu sa nouvelle chaîne. Alors, je vais acheter une petite chaîne comme ça, là, une petite chaîne en or. Parce que celle qu'Isabelle lui a donnée, elle était trop grande. De cadeau! Cadeau! Oui! Fait que c'est ça. Marie-Flore vient d'arriver. Oh, excusez-moi, ça paraît que j'ai dormi. J'ai du noir entre les yeux. Fait que Marie a joué avec mes sandales. Que j'ai fait mes planchers, fait que je me mets des sandales. Je fais mes planchers. Fait que Marie-Flore, mais elle vient d'arriver. Non, ça c'est à Snoopy, le bonbon. Donne-toi. Fait que c'est ça, elle vient d'arriver. Tiens, maman va te donner l'alarme si tu la veux. Fait qu'elle vient d'arriver. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Richard, il est pas arrivé, il est 5h30, mais il doit travailler, je crains même. Fait que là, je vais me faire un petit café, je pense, pour me réveiller. Parce que c'est pas tout réveillé, honnêtement. Ouais. En passant, mes pâtes étaient vraiment, oh, très bonnes. Très, très, très bonnes. Ça goûtait très bon. C'est quoi? C'est Clinky Winky? Mais si. Attends. Hi, hi! C'est qui? Oh! C'est... Bienvenue! Cassé! Il est cassé? Mais non! Mais non! Ok! Fait que je vais aller faire un petit café. J'en ai sorti tantôt. Je suis toujours en pyjama. Oui, maman, tu fais un café! Un café noir! Ouais, tiens. Bienvenue! Fait que Marie-Claire va m'aider à faire ça. Et on se reparle tantôt! À tantôt tout le monde! À tantôt! Salut! Il est rendu 9h. On a mangé tard. Ouais, on a mangé tard. Et là, je viens de me démaquiller. Je me suis exfoliée les lèvres. Je me suis mis du Lepsil. Et je suis contente. J'ai. Ça ne fera pas tout l'hiver, mais. Maman, pas de top. Hey! Regarde ça, toi!
Maman qui parle toute seule. Allô? Vous êtes habitué avec ça? Bonjour. C'est bye bye. Bye. J'aime. Allez, regarde maman fait la vidéo. J'ai trouvé dans mon linge d'hiver, j'avais serré un manteau que quelqu'un me a donné. Ben, en fait, une souffle. Je vais la montrer. Ça y fera peut-être pas tout l'hiver, mais du moins, ça va y faire une partie. Fait que je vais vous la montrer. Ça va être comme ça. Fait que c'est une. Je sais pas quelle marque. Je pense une. Ouais, comme ça. C'est quelqu'un qui nous l'avait donné avec les mitaines intégrées. Et les petites bottes intégrées. Mais on va y acheter une paire de bottes à Marie-Flore. Fait que ça va y faire, je pense, une couple de temps, du moins. J'espère au moins jusqu'à ces 2 ans. Avant d'en acheter un autre. Fait que voilà. Et je sais pas si elle a mis ses petites bottes depuis, là, qu'on avait acheté. Mais bon. Ouais, écoute, c'est bonhomme. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que demain matin, c'est mon meeting. Je dois travailler sur ce que j'avais à faire, mais je ne l'ai pas fait encore. Puis aujourd'hui, j'ai testé ça, le traceur liquide de Maybelline, le rose. Il va quand même bien. C'est sûr que moi, je suis pas très habile avec ces choses-là. Donc, voilà. Et, c'est que je me suis exfoliée. Je vais travailler sur ce que j'ai à travailler à l'ordinateur pour que je puisse l'imprimer et tout le kit. Puis, demain, je vais apporter ça. Pour choisir mon linge aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait demain, qu'est-ce qu'il annonce en fait, plutôt qu'est-ce qu'il annonce demain. Ouais. Puis j'ai eu un coup de cœur pour cette crème pour les mains de la marque personnelle. Comme ça. Celle-là est au cocombe et melon d'eau et à la vitamine E. Premièrement, elles sont trop belles. Ils sentent vraiment bon. Puis il coûte comme 5$ ou 2$ chaque. Là. Je sais pas trop. Là. C'était comme 2$, je pense. Je trouve que ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Fait que je vais aller faire le montage de ce vlog-là. Puis nous, on se redit à demain pour un prochain vlog. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Like la vidéo si vous avez aimé. Et nous, on se redit à très bientôt. Bye bye tout le monde.